Je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant, les chaussettes. Les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet et mes moufles. Maman les avait cachés là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh, viens dans l'autre trou, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Oh. Trop, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés.
Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé! Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer! Waouh! Se prêter les jouets, c'est plus rigolo! Moi, quand je serai grand, je construirai des maisons. Voilà, la maison est finie. Badaboum! Et moi, quand je serai grande, je serai championne de patinage. Et moi, je serai un grand footballeur. Trop, on ne joue pas au ballon dans la maison. Oui, maman. Allez jouer dehors, il y a Nana qui vous attend. Viens, Lily. Vroom, vroom, vroom. Nana, on joue à quand on sera grand? On est... Vroom, des aviateurs. Tu viens jouer? Allons-y. Vroom, vroom, vroom. Les aviateurs se préparent. Ils vont sauter en parachute. Et hop, je saute. Je saute aussi. Zoom! Hop! Je vole. On dirait que je serai explorateur. Je traverse un pont très dangereux. Attention, il y a des crocodiles en dessous. T'es sauvé à temps. Merci, Trotro. Les explorateurs continuent dans la jungle. Attention, un lion. On est poursuivi par un lion. On dirait qu'on serait des petits ogres et qu'on irait tout manger. Comment faire pour que Nana me regarde? Maman! Maman! Maman, comment faire pour que Nana m'aime bien? Eh bien, par exemple, tu peux lui faire un compliment. Oh, c'est quoi un compliment? Un compliment, c'est quand tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un. Merci, maman.
Avant d'aller voir Nana, il faut que je m'entraîne à faire un compliment. Tu es vraiment le plus beau des nounours. C'est facile de faire un compliment. Joli ballon, comme tu es bien rond. Je fais des beaux compliments. Il faut que je trouve Nana. Monsieur le pommier, comme tu es grand et vert. Oh! Bravo, pommier, et merci pour tes belles pommes rouges. Miam, miam, elles sont bonnes. Merci. Et toi, la balançoire, comme tu balances bien. Mais c'est Nana là-bas. Oh, je n'ose pas. Il faut que je m'entraîne encore une fois. Petite Marguerite, comme ton cœur jaune est joli. Bon, ça y est. Je suis vraiment prêt à faire mon compliment à Nana. Bonjour, Trotro. Comme tu es drôle. Tu ressembles à un poisson rouge comme ça. Est-ce que Nana m'a fait un compliment? C'est gentil, un poisson rouge. Nana m'a fait un compliment. Nana m'aime bien. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Oh! Tous ces cadeaux de Noël, c'est tout pour moi? Oui! Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chouette! Un jeu pour jouer avec les copains! Oh! Ouais! Le gros maintenant! Oh! Exactement ce que je voulais! Qu'elle est belle! Ha ha ha! Ma voiture, elle va vite. Alors, tu es content? Oui. Est-ce que tu me prêterais ta voiture, Trotro? Non, 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 pas maintenant. Ouais, c'est bien. Il faut que Boubou la voie. Allô, Boubou? C'est moi, Trotro. Tu as ouvert tes cadeaux de Noël? Quoi? Moi aussi? Tu viens jouer? D'accord. C'est Boubou. Youpi! Viens vite. C'est la même que la mienne. On fait la course? C'est moi qui vais gagner. C'est la mienne, j'ai gagné. Comment c'est la tienne? C'est la mienne celle-là. J'ai une idée pour ne pas les confondre. Et monsieur Nounours prend la tête de la cour. Oui. Ouais. Eh, hey, tu les as vues les grosses boîtes? On dirait des bateaux sur la mer. Moi je suis le terrible pirate Trotro. Et moi le terrible Boubou. Il y a la tempête sur la mer. Oh. C'est rigolo.
rigolo, les grosses boîtes de cadeaux. Boing, boing. J'aime bien jouer au ballon, c'est rigolo. Et en plus, je suis très fort au ballon. Qu'est-ce que tu veux, Trotrot? Tu joues au ballon avec moi? J'ai encore plein de choses à faire. Non, Trotrot, pas maintenant. Oh, dommage. Eh bien, pourquoi ne pas demander à papa? Ah! Oh. But! Joli tir, Trotrot. Merci, papa. Dis, tu joues au foot avec moi? Pas maintenant, Trotrot. Tu vois bien que je suis occupé. Oh, toi aussi. Alors, je peux t'aider? Mais oui. Très bonne idée, Trotrot. Tu pourrais mettre les feuilles dans la brouette? Oh. Bon, et si tu faisais du vélo en attendant que je finisse de jardiner? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, 20. Bonjour Lily, tu joues avec moi? 9, 12, 1. Non, pas maintenant, parce que là je compte jusqu'à 100, tu vois. 12, 8, 22, 13. Jusqu'à 100? Mais c'est long! Pas maintenant, je te dis. 18, 17, 14, 13, 23, 48. Pas maintenant, 69, pas maintenant. 18. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de jouer. Au moins, toi, tu as toujours le temps pour moi, Nounours. En Afrique, il était une fois une girafe et un zèbre. Ils adoraient jouer au ballon. Mais ce jour-là, le ballon tomba juste à côté d'un lapin caché dans l'herbe. Ha 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 ha. Oh. Trotrot? Hein? Quoi? Eh bien, j'ai fini de compter, tu viens jouer? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Oh. Alors, le lapin donna un grand coup de pied dans le ballon. Trotrot? Trotrot? Oh. Et si on faisait une partie de ballon tous ensemble? Oui. Vous voyez bien que je suis déjà occupée. Pas maintenant. C'est quoi, papa? J'ai rangé le grenier, tout ça c'est à jeter. Je vois quelque chose. Oh, mon canard! Pff, je jouais avec quand j'étais petit. Mais tu es tout sale, il faut te laver. Tu es un beau canard maintenant. Viens, on va jouer dehors. Et roule, roule le coin-coin. Oh, j'ai une idée. Coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Maman est bien attrapée. Elle croit que c'est un vrai canard. On dirait qu'il y a un petit canard par ici. J'ai trouvé ce coquin de coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Oh, ça fait un château rigolo comme ça. Coin-coin-coin-coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin. Tu es un canard, Trotrot? Coin-coin. Tu ne sais plus parler? Coin-coin. Et moi, je fais... Coin, coin. On va faire un orchestre, écoutez. D'accord. Coin,
On fait de la belle musique. Oui, on est drôlement fort. Oh. Oh. Hé, hey, l'oiseau, il chante notre chanson. Ouais, bravo l'oiseau. Oui, oui, bravo. Maintenant, il faut saluer le public. C'était l'orchestre, les amis de Trotro. Oh. Ah, mon ballon. Mais il est crevé. Un petit hérisson. Hein? Oh, la boule de piquant a disparu. Bonjour, tu ne veux plus jouer? Tant pis, je m'en vais. Jouer avec moi? Bonjour Trotro, tu as vu mon ballon comme il est beau? Chut! Mets-toi là, à côté de moi. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je joue à cache-cache avec mon ami. Regarde. Ah! Un petit hérisson, il est mignon. Ah, oh, mon ballon. Ah, ah, ah. Oh, le pauvre. Il s'est caché. Mon ballon a dû lui faire peur. J'ai une idée. Suis-moi. On va offrir un cadeau au hérisson pour lui montrer qu'on l'aime bien. Regarde, ça doit être son papa. Ou sa maman. Oh, c'est bon. Aïe. Oh. Ouf. Dis Lily, tu me prêtes une de tes moufles? Tiens, Trotro. Comme ça, on peut les caresser, ça ne pique plus. Et hop. Tu as vu ça, nounours? Mais où es-tu, mon petit nounours? Ah, je t'ai trouvé. Mais tu es tout seul. Viens, je vais te faire prendre un bain. Voilà, nounours. Ton bain est prêt. Ne t'inquiète pas, tu vas redevenir tout propre. Quel beau plongeon, nounours! Bravo, nounours! Tu es un vrai champion. Moi aussi, j'aime bien prendre mon bain. Maman, tu peux me faire couler l'eau du bain? Une seconde, je termine ce travail et j'arrive. Joue un petit peu en attendant mon Trotro. Maman met longtemps à finir son travail. J'ai une idée. En attendant maman, je vais aller chercher mon canard en plastique pour le mettre dans le bain.
mon canard jaune pour le faire nager. Peut-être que je peux aussi apporter mon bateau. Mon petit bateau dans l'eau, ça va être rigolo. Il y a encore beaucoup de place dans cette baignoire. Je vais chercher mon ballon. Un ballon comme à la plage. Je vais aussi rapporter mon seau et mon râteau. Et voilà, il ne manque plus que mon arrosoir rouge. Je vais le chercher. En plus, j'ai trouvé plein d'animaux pour jouer dans mon bain. Qu'est-ce qui manque encore? Il ne manque plus que toi, nounours. Alors, Trotro, tu es prêt pour prendre ton bain? Oui, maman, regarde, j'ai tout préparé. Mais Trotro, il n'y a plus de place pour l'eau. Ça ne fait rien, maman. Je vais prendre un bain de jouets. Aujourd'hui, je me déguise en tigre. Je rugis comme un tigre, je saute comme un tigre, je fais peur comme un tigre. Il me manque quelque chose pour faire un vrai tigre. Ah. Maintenant, je suis un vrai tigre. Je rugis. Je saute, je fais peur. N'aie pas peur, nounours, c'est normal, c'est effrayant les tigres. J'ai faim, une vraie faim de tigre. Ne t'inquiète pas, nounours, je ne vais pas te manger. Les tigres, ça ne mange pas les nounours. Pour chasser dans la jungle, je sais comment faire. Et je sais avancer. Aïe. Chut, sans faire de bruit. Et surtout, sans me faire voir. Ça sent bon. Sauve-toi, maman, je vais te manger. Au secours, un tigre, au secours. Les belles crêpes. C'est bon. Mais qui a mangé mes crêpes? Toutes mes crêpes? Pas moi. Les tigres ne mangent que de la viande. Maman, tu aimes les bisous de tigre? Papa, vite, papa, vite! Je veux jouer avec mon nouveau jeu! Va chercher le tuyau, Trotro. J'y vais! Tu peux ouvrir le robinet, Trotro. Monsieur le rouge, vite à la pêche. Oh, raté.
Tu n'es pas gentil, le rouge. Je vais essayer le vert. Papa, papa! Qu'est-ce qui ne va pas, Trotrot? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trotrot, et tu vas y arriver. Voilà, comme ça. Ouais, un poisson! Un deuxième! Et tout seul, celui-là. Trotrot, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà! Tom, c'est ma canne! Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez! Un poisson! Un canard! Un poisson! Un canard! Vous faites un concours de pêche? Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Lily, tu m'as fait rater mon canard! Et le poisson rouge! Ce n'est pas juste! Lily, un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette! D'accord! Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble! D'accord! D'accord! Trotrot, Lily, Boubou, venez goûter! Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ils ont invité plein de copains à goûter. Maman! Maman! Maman, je peux t'aider à tailler la haie? Mais ces grands ciseaux sont dangereux pour mon petit Trotrot. Alors à quoi je peux t'aider? Va me chercher le panier pour ramasser les brindilles, s'il te plaît. J'y vais, maman. Moi, j'aime bien aider. Tiens, maman, je t'ai rapporté aussi ton chapeau pour le soleil. Comme tu es gentil, mon Trotrot. Merci, tu m'as bien aidée. La 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 la. Moi, je suis un gentil, moi, j'aide bien ma maman. Pauvre petit escargot, tout ce chemin pour arriver à la salade. Je vais l'aider. Voilà, tu es arrivé. Moi, je suis gentil, j'ai bien aidé le petit escargot. Qui je peux aider encore? Je crois bien qu'on a besoin de moi ici. Moi, je suis gentille, même avec les fleurs. Merci pour ce joli pétale, Madame la Fleur. Nana, tu veux que je te pousse? Oh oui, merci Trotrot. Je vais très haut. Youhou! Oui! Merci Trotrot. Merci beaucoup. C'est bien d'être gentil. On a des bisous. Voilà ton ballon, Lily. Merci. Tiens, Trotrot, c'est pour toi. Miam, miam. C'est bon, le chocolat. Quand on aide les autres, tout le monde est content. Moi, je serai toujours un gentil Trotrot.
Réveille-toi, Trotro. On part en vacances tout à l'heure au bord de la mer. Non, j'ai encore sommeil. Je dois faire ma valise et toi, Trotro, ton sac à dos. Quand tu seras bien réveillé, choisis les jouets que tu veux emporter en vacances. Je les prends tous. C'est impossible, mon Trotro. Prends seulement les jouets qui tiennent dans ton sac. Lève-toi, Nounours. On part en vacances. Tu verras, Nounours. La mer est toute bleue, un peu froide, avec des grosses vagues. Et puis, il y a du sable. C'est très doux pour les pieds. Quand on sera sur la plage, je te ferai une petite piscine pour te baigner. Et moi, je vais demander à maman de m'acheter un filet pour pêcher les crevettes. J'aime bien les crevettes. Viens, on va choisir mes jouets. Pour faire des châteaux de sable, j'ai besoin de ma pelle, de mon seau et de mon râteau. Oh, mon canard jaune! Tu comprends, Nounours, il a peut-être envie de se baigner dans la mer. C'est plus amusant que dans la baignoire. Mon avion aussi, dans le sac. Ma locomotive, voilà, j'ai fini. Et maintenant, mes petites voitures. Vroom, vroom. Oh là là, le sac est bien rempli. Et mes bouées? Je ne peux pas nager sans mes bouées. Il faut que j'enlève des jouets. Et voilà mes bouées. Je les ai trouvées. Mais comment faire pour tout emporter? J'ai besoin de mes voitures pour faire des routes dans le sable. J'ai une idée. Je suis sûre que maman l'a rangée là. Voilà, je l'ai trouvée. Tiens, Nounours, c'est toi qui porteras les petites voitures. Et voilà, Nounours, ton sac est prêt. Tu as fini, Trotro? J'ai choisi mes jouets et ils tiennent tous dans mon sac à dos. Regarde, maman. Bravo, Trotro. Tous tes jouets? Et Nounours, il a aussi un sac à dos comme moi. Pour partir en vacances, Nounours et moi, on a chacun son sac à dos. Vroom, vroom. Trotro, il y a une lettre pour toi. Une lettre? Pour moi? Ça alors, une lettre pour moi? C'est où? C'est où la lettre pour moi? Là, sur la table, mon Trotro. Comme elle est grande. Oh! Et c'est très beau. Vite, papa, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Trotro, tu es invité à mon goûter d'anniversaire. Et c'est signé Nana. Oui! Tu en as de la chance, Trotro. Je suis invitée par Nana. Maman, maman, je suis invitée à l'anniversaire de Nana. Oui, j'ai entendu, mon Trotro. Vite, il faut un cadeau. Là-dedans, je vais trouver un beau cadeau. Un camion, non. De la peinture, non. Un petit seau, non. Ah, ça. Ça, non. Oh, ça c'est bien. Mon doudou d'avant Nounours. Regarde, maman, j'ai trouvé mon cadeau d'anniversaire pour Nana. Trotro, tu ne peux pas offrir ce vieux doudou. Mais maman, c'est un bon doudou gentil. Oui, mon Trotro, mais Nana a déjà son doudou à elle. Eh bien, Trotro, qu'est-ce qui ne va pas? Maman ne veut pas que j'offre ce doudou à Nana. Maman n'a peut-être pas tort. Tu sais, Trotro, les filles aiment beaucoup les fleurs. Tu peux même faire un collier avec des fleurs. Je vais te montrer comment. Alors voilà. Tu cueilles plein de pâquerettes avec une tige bien longue. Merci, Trotro. Maintenant, on va les attacher les unes à la suite des autres pour faire un beau collier. Trotro, tu es prêt? Ça va comme ça, maman? Oh, tu es un très beau Trotro. Tiens, voilà mon cadeau pour Nana. Merci, maman.
anniversaire, Nana. Oh, merci. Et ça, c'est moi qui l'ai fait pour toi. C'est très mignon, j'adore les petites fleurs. Je suis très contente de ton cadeau, merci trop. Oh. Viens, on va jouer, il y a déjà Lily. Nana m'a fait un bisou. Viens. Ah, c'est le téléphone de maman qui sonne. Maman ne veut pas que je joue avec son nouveau portable. Tiens, Trotro, c'est pour toi. Pour moi? Merci, maman. Tu fais bien attention, Trotro. Ce n'est pas un jouet. Oui, maman. Allô? Trotro, c'est Lily. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, Lily, je t'entends. Où es-tu? Devine. Je suis dans un jardin avec un grand pommier. J'ai trouvé. Tu es dans mon jardin et tu téléphones avec le portable de ta maman. Attends-moi, Lily. Trotro, tu me rapportes vite le portable? Oui, maman, juste le temps de trouver Lily. Maintenant, je suis près du pommier. Allô, Lily? Est-ce que tu m'entends? Oui, Trotro, je t'entends. Je sais où tu es. Lily s'est cachée derrière le pommier. Lily? Lily? Mais enfin, Lily, où es-tu? Devine. Ici, ça sent très bon. Ah, moi je sais, tu es dans la cuisine. Mais non, je cueille des fleurs. Des fleurs? Ah, maintenant je sais où tu es. Oh? Oh? Ah non, Lily, c'est pas juste. Maintenant, je ne bouge plus. Allô, Trotro, est-ce que tu m'entends? Non, je ne t'entends plus. Allez, Trotro, lève-toi. Va voir au bac à sable, il y a une belle surprise. Une surprise? Au bac à sable? Oui, Trotro, il y a une fleur pour toi et une fleur pour Nounours. Nounours? Où est Nounours? J'ai perdu Nounours. Mais non, regarde donc au pied du pommier. Ah oui, tu as raison, c'est là que je l'ai laissé. Oui, le pauvre. Mais comment Lily sait-elle où se trouve Nounours? Parce que je suis ici. Oh. Et Nounours aussi. Hé, tu m'as bien eue. Allô? Trotro? Oui, maman, je t'entends. Ça y est, tu as fini de jouer avec mon téléphone? Oui, maman, je dis au revoir à Lily et c'est fini. Allô, Lily, c'est Trotro. Oui? Au revoir et à bientôt. Au revoir. Tu as vu, Lily? Aujourd'hui, Trotro a la tête ailleurs. Il pense à son amoureuse. C'est Nana, son amoureuse. Maintenant, il veut toujours jouer avec elle. La 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 la. Ah, Nana! La 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 la. J'aimerais bien qu'elle me regarde. La 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 la. Là, là. J'espère qu'elle voudra bien jouer avec moi cette fois. Youpi! Aïe! J'aimerais bien lui parler, mais je n'ose pas. J'aimerais bien qu'elle vienne jouer avec moi. Tu veux faire de la balançoire? Non, je vais me salir. Tu veux que je te prête mon vélo? Non. Je vais déchirer ma robe. Tu veux jouer avec Nounours? Non. J'ai ma maman. Tiens,
C'est pour toi. Elle n'est pas très belle, ta fleur. Oh. Tu viens, Trotro? Tu fais un château? Eh bien oui, mais il n'est pas assez grand. La 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 la. Je m'ennuie toute seule. Ils ont l'air de drôlement bien s'amuser tous les deux. Dis, Trotro, je peux jouer avec vous? D'accord. Et voilà, plein de sable pour un grand château. Ah. J'ai envie de prendre le petit bout de l'entrée du château et j'irai chercher un bon chemin pour faire un drapeau. Bonjour Boubou. Tu cherches quoi, un trésor? Non, je construis un château. Un château? Un grand château avec des tours. Je peux t'aider? Oui, il faut faire 4 tours. Il faut le mélanger avec de l'eau. Bonjour Lily, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ramasse des algues et des étoiles de mer pour faire un beau jardin. Et vous? Nous, on vient chercher de l'eau pour construire un château. Un château? Oui, un grand château. Si tu as envie, tu peux venir avec nous. D'accord, et je ferai le jardin du château. Allez, on retourne au château, viens avec nous. Mais il est tout petit, votre château. Il n'est pas encore fini, Lily. Regarde, on va faire les tours. Il faut bien tasser. Quelle est grande! Vite, construisons les 3 autres. Devant le château, il faut de l'herbe. Et voilà un beau jardin. Et voilà un grand château. Mais il manque une route à notre château. J'ai une idée. Et voilà. Mais il n'y a pas de porte pour entrer dedans. Il n'y a qu'à en faire une. Et voilà, notre grand château est fini. Non, non, il faut aussi le décorer. Attendez, je reviens tout de suite. Tu crois qu'il manque quelque chose? Un drapeau? Un vrai château a toujours un drapeau. Viens, Boubou. Ça y est. Voilà, il est enfin terminé. Notre grand... Oh, un crabe! Regardez, un crabe! On lui a fait une belle maison. On lui a fait un vrai château, tu veux dire? Allez, Trotro, rentre vite. J'ai gagné la course de sac à patates. C'est moi le champion. Oui, mon chéri, tu es le champion, mais il faut sortir du sac maintenant. Non, c'est mon sac porte-bonheur. Papa, j'ai gagné la course de sac. Regarde comme je saute. Oh! Arrête un peu de sauter, tu vas finir par tomber. Ne t'inquiète pas, je suis le champion. Allez, champion, va jouer dans ta chambre en attendant que le dîner soit prêt. Miam, miam, d'accord. Attention, Trotro. Nounours, j'ai gagné la course de sac.
Bon, à quoi je pourrais jouer? Ah, je sais, avec mes camions. Oh là là, j'ai perdu mon sac. Tant pis pour les camions. Je vais plutôt jouer au ballon. Oui, je ne peux pas jouer au ballon non plus. J'ai une idée. Je vais jouer au sac à patates. Non mais tu l'entends? On dirait un petit éléphant qui fait de la corde à sauter. Trop. Pose ton sac et viens dîner, c'est prêt. J'arrive. Et tu vas manger avec ton sac? Oui, regarde. Ah. Tiens mon champion en sac, mange bien. Et après, on ira prendre ton bain. Oui, maman. Trotro, viens prendre ton bain, il est juste tiède. Et voilà, je suis prêt. Oh non, Trotro, il n'est pas question que tu prennes ton bain avec ton sac. Mais maman, c'est mon sac porte-bonheur, je ne peux pas l'enlever. Pas de sac dans le bain, Trotro, un point c'est tout. Et en plus, tu vas le mouiller. J'ai une idée, maman. Tu vois, maman, c'est Nounours qui garde mon sac porte-bonheur. Tu ne vas tout de même pas dormir dans ton sac, Trotro. S'il te plaît, maman, je peux le garder. C'est d'accord, tu peux le garder, mais seulement pour cette nuit. Merci, maman chérie. La 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 la. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai trouvé une belle bille. On regarde s'il n'y en a pas une autre. Une bille? Oh, tu me la donnes? Non, elle est à moi. C'est moi qui l'ai trouvée. Oh. Je te l'échange contre autre chose si tu veux. J'ai ma boîte à secrets. Oh, je vais chercher la mienne. Tu me fais voir ce qu'il y a dans ta boîte à secrets, Trotro? Cette plume, c'est moi qui l'ai trouvée. Elle est jolie. Ça, c'est un cheval. Ça, c'est un coquillage. Je l'ai ramassé en vacances au bord de la mer. Et puis voilà trois marrons. Mon sifflet. Et ça, c'est une bougie pour mettre sur la table. Et voilà mon savon à la fleur. Ça sent bon. Tu me le donnes, Trotro? J'adore quand ça sent bon. Non, donne, Nana. C'est à moi. Tiens, Lily, je t'échange ta bille contre mes trois marrons. Mais ils sont vieux et pas beaux, tes marrons. Non, je veux ta bougie rigolote en échange. Ma bougie grenouille pour une bille? Non, ce n'est pas assez. Attends, je sais ce que je vais te donner en plus. Oh! Et moi, qu'est-ce que je vais te donner en échange de ton savon qui sent bon? Voyons, voyons, tiens, je te donne ça. Ça, mais à quoi ça sert? C'est pour les cheveux. Mais tu peux le mettre comme ça. Tu es très beau avec Trotro. Ah, tu trouves? Bon, d'accord, Nana. Tiens. Et hop, mon beau petit savon. Regarde tous mes secrets à moi, Trotro. Un porte-clé avec un lapin bleu. Une brosse pour me coiffer. Un miroir tout décoré au dos. Je t'échange mon beau miroir contre ta grenouille. Non, Nana, c'est pour moi la bougie rigolote. Je l'ai dit la première à Trotro. Arrêtez, vous allez casser ma grenouille. C'est vrai, Nana, Lily l'a demandé avant toi. Tiens, je te donne ma bille et ça. Oh, la belle voiture jaune. Et si je te donne mon miroir décoré contre ton coquillage? Tu es d'accord, Trotro? Vroom, d'accord, Nana. C'est drôlement bien d'échanger nos boîtes à secrets.
Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Jouer de la musique? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... Je sais! J'ai envie de faire de la peinture! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture. Ah, le voilà! Je l'ai trouvé! Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant, les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups, oh là là, quelle grosse tache. J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine, cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil. Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée, je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures. Et je n'oublie pas le nez. Ni les moustaches. Ni les dents. Waouh! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman. Ils vont être étonnés. Papa, 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 tu as vu mon t-shirt? Oh, superbe ce tigre, Trotro. Tu as dessiné sur ton t-shirt, Trotro? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Ha 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 ha! Ah, aujourd'hui, je suis musicien. Ah. Écoutez bien, les amis, je vais jouer de l'accordéon. Do, mi, sol. Ouais, superbe. Ah, c'est facile. Je plie, je déplie, je plie, je déplie. Bling, bling. Ah, c'est rigolo, cette musique. Bling, 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 bling. Ne bougez pas. Ce spectacle n'est pas fini. Taratata! La trompette, j'adore ça. Il faut souffler dedans très fort. Encore plus fort. Ça vous plaît, les amis? Merci, merci. Ah, c'est fatigant de jouer. Mais j'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée? Mais oui, quelle bonne idée! Merci, Nounours. Ah, cette fois-ci, je vais faire encore plus de bruit. Ah, ah, oh, quelle belle casserole! Ça va faire un bon tambour boum badaboum. Boum badaboum, 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 boum badaboum
badaboum. Mais trop. Oh. Ah. Boum badaboum boum. Je joue bien, dit maman. Tu as raison. Il me manque quelque chose. Des cuillères. C'est comme des baguettes. Boum. Boum badaboum. Boum badaboum, boum badaboum, boum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Bravo, Trotro, tu joues très bien du tambour. Boum badaboum, boum badaboum. Elle fait du bruit, la musique de Trotro.